Je devais en avoir deux aujourd'hui, je sais pas, il y en a qu'un qui est arrivé. Donc je vais vous l'ouvrir. Et puis bah ça vous fera l'objet d'une vidéo. Et puis si l'autre il arrive après, bah ça fera l'objet d'une deuxième vidéo. Ah. Ça, c'est pour faire les économies. C'est bien. C'est bien. Alors, c'est la commande. En plus, c'est la commande d'après ça. Je comprends pas. Normalement, j'aurais dû recevoir la commande des enfants avant celle-là. Alors, attendez, j'ouvre ma vie. La truc, là. Je vais tout mettre sur le côté. Oh, les merdes! Ça ne veut pas y aller. Donne-moi un ciseau, il doit y avoir un ciseau sur la table. Ça t'arrive, j'irai. Ah ouais, il y a des trucs. Alors, ça, c'est un classeur que je vais personnaliser pour faire. Alors. Pas des budget planeurs, tout ça là, pour faire les budgets, non, non. Moi, ça va être juste pour faire des économies. Donc, il est comme ça, là, on peut ranger les cartes. Quand j'aurai fait refaire ma carte d'identité et ma carte bleue, je pourrais les remettre dedans. Parce qu'ils sont toujours pas faits et je les ai toujours pas retrouvés. D'ailleurs, ça va me poser des gros, gros, gros soucis, cette histoire, mais bon. Bon, bref, on en parlera dans une autre vidéo, hein, un jour peut-être. Donc vous appuyez là, ça s'ouvre. Vous appuyez là, ça se referme. Voilà. Là, vous avez une grande pochette. Et là, vous avez ça. Donc, il était vendu vide. Et il est au prix de 2,86 €. Donc moi, je vais le personnaliser avec ma petite cut. J'ai pris les enveloppes parce que moi, je ne voulais pas des enveloppes budgétaires. Ou avec des trucs spéciaux. Moi, je voulais juste une enveloppe par mois. Donc, c'est pareil. Ça, je vais les personnaliser en mettant les mois dessus. Et vous voyez la somme que je me suis dit que je mettrais par mois. Donc là, on va marquer janvier. On mettra tout l'argent du mois de janvier, février. Donc, il y en a deux de chaque. Violet, vert. Donc, ça fait 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ouais, c'est ça. Deux rouges. Deux jaunes, deux jaunes et deux bleus. Et du coup, j'ai recommandé un autre avec d'autres pochettes pour faire pour les enfants des économies aussi pour les loulous et la Française des Jeux. Pour qu'on gagne la Française des Jeux. Donc ça, les 12 pochettes, c'était... Voilà, je vais pouvoir commencer à préparer pour janvier. Les 12 pochettes à 6. C'était 2,69 €. Donc, normalement, c'est les bonnes, hein, je pense. J'espère qu'il y a la différence. Ouais, c'est des bons trous. C'est là que j'ai commandé et j'ai pas fait gaffe que c'était pas les bons trous. Ça aurait été le comble. Bon, déjà, ils sont pas perforés comme il faut en plus. Si, c'est bon. Vous voyez, hop. Donc là, je mettrai, je pense que je vais alterner. Je vais alterner les couleurs. Donc voilà. Et j'avais pris pour essayer. Bah du coup, je vais essayer ce porte-clés du jour. J'ai pris un flacon. Ah, rien. La hard. J'avais pas vu, il y a marqué hard. Alors, je sais pas si vous verrez bien. Hop là, c'est de la résine UV. Donc là, vu le soleil qu'on a, j'aurais pu mettre à sécher dehors. Hein. Mais comme on n'a pas toujours du soleil, ça c'était 4,89 € et c'est à 60 grammes. Donc ça, c'est la première fois que je vais tester la résine UV. J'avais testé la résine normale. D'ailleurs, je m'étais arrangé avec Rachel, on avait fait un truc. C'est Rachel qui l'a récupéré, ma résine. Et du coup, vu que c'est une résine, il faut une lampe. Et du coup, j'ai pris une petite lampe toute simple. Donc ça, c'était 4,89 € le bidon. Et j'ai pris une petite lampe. Je vais y arriver. Toute simple, comme ça. Vous voyez, là, c'est des trucs UV. Et vu que moi, j'ai des petits trucs, en plus, avec les porte-clés, peut-être par la suite, je prendrai des dessous de verre ou des trucs. Ça peut être super pratique. Donc, elle se branche par USB. Donc ça, il n'y a pas de souci. Et voilà. Donc, à tester.
2,58 €. Donc, tantôt, je vais faire le porte-clés et après, je vais le résiner et tester. Et comme ça, demain matin, dans le calendrier de l'Avent demain, je vous dirai ce qu'il en est. Donc, voilà, j'avais commandé ça. Donc, ça, je suis étonnée parce que la commande, c'était celle d'après. J'avais la commande des enfants qui devait arriver. Ça m'aurait plus arrangé parce que j'ai des paquets à faire. Mais. Si je vais dans le suivi de la poste, ils me disent quoi? Ben maintenant, ils me disent mardi, alors que normalement, c'était le 18 en même temps que ça. Surtout qu'elle est venue pour ce colis-là. Donc, entre nous, elle aurait pu tout déposer. Donc voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous.